plan to fly. The first 2 weeks of August. Well, I'll tell you what, Route 66 is certainly never going to die, because I don't think all the people from overseas will ever let it die. Get your kicks on Route 66. Well, you go. Kick back, relax, play those 50 tunes, and enjoy Route 66. Route 66, l'Amérique en diagonale. Aujourd'hui, quatrième étape à travers l'état du Missouri, des faubourgs de Saint-Louis jusqu'au cœur des monts Ozark. Get your kids on Route 66. Can I help someone? What flavor do you have? M&M's, Oreos, chocolates, vanilla. The blueberries, fruits. Can we have two flavors in a small one? It's 60 okay. cents extra for the flavor. Okay. Yeah. Oh, this is a concrete, is that it? 1 second. No, this is a cone. Your Hawaiian concrete will be right up. I got one more, right? 15.7, sir. Alors, il y a une queue importante, mais elle avance très très vite. Donc, chez Ted Drew's Frozen Custard, autrement dit, c'est de la crème anglaise gelée. Et apparemment, comme dit cette dame, la spécialité, c'est que ça se retourne et que c'est tellement froid ou tellement bien battu que ça tient tout seul. Ted Drew's, marchand de glace au bord de la 66 à la sortie de Saint-Louis, bien c'est l'une de ses success stories qui tiennent souvent à une petite trouvaille culinaire relayée par le bouche à oreille. Et vous n'imaginez pas les fils incroyables qui s'étirent nuit et jour devant la baraque en bois de Ted Drew's, et ça, ça dure depuis 1929. Alors c'est avec quelques milliers de calories en plus que nous allons continuer de traverser dans la direction de l'ouest les faubourg de Saint-Louis au fil de la 66, où l'on constate d'ailleurs chez les antiquaires la vogue des objets 50-60, des tabourets en moleskine rouge façon diner, des vieux frigos Coca-Cola d'époque, ou encore des sucriers à bouchons chromés, le tout pour des prix de moins en moins accessibles, car à Saint-Louis, comme dans d'autres endroits de l'Amérique et de France maintenant, la nostalgie est plus que jamais ce qu'elle était. Elle fait grimper les côtes et elle fait aussi rêver les Saint-Louisiennes, comme Jane Roberts qu'on va rencontrer maintenant. À cette époque bénie où Elvis Presley était encore un jeune homme svelte, au jeu de hanches suggestif, qui faisait pâmer les Sweet Little 16. Quand nous étions petits, je viens d'une famille nombreuse, et comme tout le monde, après la guerre, on n'était pas très très riche et on cherchait des petites sorties en famille raisonnables. Il y avait le grand drive-in movie, où on y va en voiture, le cinéma en plein air, et c'était le 66 drive-in. Et c'était connu par tout le monde, et tout le monde montait en voiture, en pyjama, avec des sacs de popcorn, et on passait la soirée à 6 personnes dans la voiture, aller au cinéma, et rentrer à la maison, aller au lit. C'était très sympathique. 10 ans après, on faisait ça en lycéen, lycéenne, et c'était pas une famille, ça, c'était autre chose, les garçons avec les filles avec les garçons, et c'était toujours très sympathique. Donc le 66 Parkin a fait partie de notre histoire à Saint-Louis et beaucoup de gens très personnellement. Nous, c'était l'image la plus forte, c'était des jeunes dans les décapotables. Route 66 avait toujours l'image de fun.
en s'amuser sur la route 66. Ce qui parle de trajet de travail, de difficultés, les voyages, c'est qu'on s'amusait, on sortait. Et il y avait les drive-in pour acheter des hamburgers, les Coca-Cola. Il y en avait beaucoup sur la route 66. Alors pour sortir, on pouvait quitter le lycée ou quitter la maison et passer faire les tours sur route 66 pour voir s'il y avait des amis qui étaient à un de ces drive-in et aller les chercher. Ça, c'était tout un circuit. Il y avait aussi un petit motel qui était la couleur corail et ça s'appelait en anglais Coral Courts. Mais les Coral Courts avaient une très mauvaise réputation, que ça louait des chambres à l'heure. Alors nous, d'une autre culture très puritaine, ça a fait vraiment l'histoire. Si on était en voiture et passé devant les Coral Courts, il ne fallait pas même regarder parce qu'il y a la crainte de voir les choses qu'il ne fallait pas voir. If you ever plan to move west, tell me my way, the highway that's the best. Get kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico. Que la 66 est devenue plus glamour que ses homologues comme la Route 1 ou comme la 61 célébrée tout de même par Dylan. Qu'est-ce qui fait que la 66 bénéficie aujourd'hui d'un statut littéralement de monument historique? La réponse à cette taraudante énigme, nous l'avons demandé à l'un des grands 66ologues de l'Amérique d'aujourd'hui, le professeur David Kammer, rencontré comme de bien entendu autour d'une soupe aux haricots dans un diner tout fluo, turquoise et noir de la 66. Several things have happened to Route 66 that haven't occurred with other roads. La route 66 a connu plusieurs phénomènes que n'ont pas connu les autres routes. Si l'on regarde la chronologie des événements, on part de Chicago pour aller vers Los Angeles. Ça suit la voie du rêve américain. Et il faut également considérer l'expérience de l'ensemble du pays dans les années 30, à l'époque de la Grande Dépression. Expérience qui, dans le domaine littéraire, a été le mieux relatée par l'auteur John Steinbeck dans son roman Les Raisins de la Colère, roman qui a donné lieu à un film produit par John Ford. Puis après, viennent les années d'après-guerre, la fin des années 40. Les gens, à cette époque, essayaient de se remettre du traumatisme de la guerre. Les familles avaient plus de temps à consacrer aux vacances. À l'époque, il y avait un chanteur, Bobby Troup, qui a sorti une chanson qui s'appelait Get Your Kicks on Route 66. Il parle de Oklahoma, Amarillo, Gallup, Flagstaff, Winona, Don't Forget Winona. Donc voyez tous ces noms très évocateurs, ça donne une espèce de poésie dans cette chanson. Cette chanson a d'abord été enregistrée par Nat King Cole, mais en réalité, elle a été enregistrée par plus de 200 artistes par la suite. Donc il y a eu ce phénomène-là, et il y a eu un autre phénomène qui était
une émission de télévision très connue, une émission qui a duré pendant 4 ou 5 ans à l'échelle nationale. Donc tout ça, ça a créé une espèce de synergie qui a donné lieu à la création d'un mythe que représente la route 66. Donc même si on n'a pas pris sa voiture pour aller sur cette route 66, malgré tout, la route 66 constitue la route qui symbolise le rêve, la mobilité collective de la culture américaine. Très impressionnant en marge de la route 66, c'est qu'on rencontre non pas les années 50 ou les années 20, mais on rencontre vraiment le 19e siècle et l'époque de la frontière, puisque ici, dans les grottes de Meramec, Meramec étant une petite rivière qui coule et qui traverse d'ailleurs la route 66, un petit peu au sud-ouest de Saint-Louis, on rencontre un fantôme absolument illustre et sur lequel on a maintenant, en venant ici, des éclaircissements. Puisque c'est le fantôme de Jesse James. Jesse James, le fameux bandit, et les frères James, des grands rançonneurs et des grands voleurs de train. Eh bien, Jesse James ne serait pas mort quand on a cru qu'il était mort. Il aurait survécu. Et le père de Monsieur Turilli, qui est ici le propriétaire, le gérant des grottes de Meramec, a personnellement connu Jesse James. So, what's the story? Well, this is back in, this would be back in the 1940s. Ça remonte aux années 40. Mon père vendait des billets ici à la grotte. Évidemment, c'était différent. Je pourrais vous montrer des photos si vous voulez. Bref, il était derrière le comptoir et un homme un petit peu âgé est arrivé. Et il a dit à mon père, alors, c'est ici la planque de Jesse James. Et mon père a dit, absolument, c'est ce qu'on nous dit, et c'est ce que dit la légende. Jesse James et sa bande se sont cachés ici dans la grotte de Meramec. Et ce monsieur un peu âgé a dit, et vous, que diriez-vous si je vous disais que Jesse James était toujours vivant? Mon père a dit, eh bien, je dirais que vous êtes complètement fêlé. Et le monsieur a dit, et pourtant il est vivant, Jesse James. Et vous allez voir ça dans les journaux à Lawton, Oklahoma. Vous allez lire ça dans le journal. Jesse James est encore vivant. Mon père n'y a pas fait plus attention que cela, mais un ou deux mois plus tard, eh bien, ça a défrayé la chronique. Partout aux États-Unis, Jesse James est vivant à Lawton, dans l'Oklahoma. Bien entendu, on était tous dans tous nos états, et mon grand-père, le propriétaire de la grotte, a envoyé mon père pour rassembler des informations, pour mener une petite enquête, pour savoir ce qu'il en était. Et on s'est dit, peut-être que ça ferait de la publicité pour la grotte. Donc mon père est descendu, il est allé à Lawton, dans l'Oklahoma, donc, et il a eu un entretien avec ce monsieur un petit peu âgé. Quand je dis ça, en fait, il avait plus de 100 ans. Et en fait, il y avait plein de journalistes qui faisaient des interviews de ce monsieur qui était cloué au lit à ce moment-là. Il répondait volontiers à toutes les questions des journalistes et il surprenait tout le monde parce qu'il avait tellement de connaissances dans ce domaine et on pouvait croire ou non que c'était Jesse James, mais en tout cas, on pouvait croire que c'était un membre de la bande ou de la famille de Jesse James. Bref, c'était un personnage qui savait tout ce qu'il y avait à savoir sur Jesse James. Donc, mon grand-père a dit à mon père, et si tu le ramenais dans le Missouri, cet homme-là? Et comme ça, on pourra en savoir un petit peu plus. Et si c'est Jesse James, alors là, ce sera le pactole pour nous. Tout le monde viendra voir notre grotte. Donc, c'est ce qui a été fait. Il est venu là, il a vécu ici pendant 3 ou 4 ans, dans une cabane là-bas. Et quelle est la relation donc entre ces grottes où nous nous trouvons et Jesse James? Alors, comment est-ce qu'il a connu la grotte? Eh bien, c'était pendant la guerre de Sécession, la guerre entre le Nord et le Sud. La bande de James, donc la bande de James, c'était des sudistes, c'était des rebelles. Ils se battaient du côté des sudistes, hein, en faveur de l'esclavage. Hein. Et cette grotte était utilisée par les nordistes et ils y fabriquaient de la poudre à canon à partir de nitrate de potassium qui venait des chauves-souris. Bon.
et on appelait ça Salt Peter, la grotte de Salt Peter. Et d'ailleurs, le Salt Peter, c'est le nom qu'on utilise pour le nitrate de potassium, donc un poudre à canon. Les sudistes ont fait sauter cette grotte, et c'est comme ça que Jesse James et sa bande ont eu connaissance de cette grotte. Et c'est là qu'ils se partageaient le butin dans la grotte, et ils s'enfuyaient grâce à la rivière souterraine. Est-ce que c'était vraiment Jesse James, né en 1847, ce vieux monsieur quasi-centenaire qui avait réémergé vers 1940? Ce n'est pas l'avis en tout cas d'un des spécialistes des bandits de l'Ouest que nous allons rencontrer un petit peu plus loin sur la route 66, le conservateur du musée des armes à feu de Clairmore en Oklahoma. Il s'appelle Denis Duval. Il nous fait remarquer que le personnage légendaire de Jesse James, après sa mort vraie ou supposée, était devenu un véritable le fonds de commerce pour beaucoup de gens, y compris pour sa propre famille. Je vais vous raconter une petite anecdote sur Jesse James. Sa mère habitait dans une ferme. Des années bien plus tard, son frère Frank faisait visiter la ferme aux touristes qui voulaient voir où avait vécu Jesse James. Il faisait payer 5 ou 10 cents aux touristes pour visiter la ferme. C'était dans le Missouri. Et un touriste, un beau jour, a trouvé un pistolet. Et il a proposé de l'acheter pour $50. La mère de Jesse James, femme habile s'il en était, et rusée, a eu une idée. Elle est allée en ville et elle a acheté tout plein de vieux pistolets pour, disons, $3. Donc, elle et son fils Frank ont caché les pistolets partout dans la ferme. Les touristes arrivaient et se disaient, tiens, voilà les pistolets de Jesse James. Ils étaient tout fiers. Ils les avaient achetés $50 à la mère de Jesse James. Mais c'est l'Amérique, ça. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, pour des raisons évidemment pas forcément désintéressées, Les Turulli, qui est le gestionnaire des grottes de Meramec, croit dur comme fer que le centenaire en question était bel et bien le vrai Jesse James. Sans arrêt, on me demande si je pense que c'était Jesse James. À l'époque, j'étais haut comme trois pommes, mais en tout cas, je sais que mon père y croyait. Mon grand-père aussi, ma grand-mère aussi, tous les gens qui travaillaient ici à l'époque y croyaient. Du reste, on a un homme ici qui peint les panneaux indiquant la grotte pour nous. Il a 78 ans à l'heure actuelle. Il était là lorsque le monsieur était là. Il l'appelle l'oncle Jesse. Comment a-t-il pu échapper à la police? Eh bien, c'était une substitution. Ça a été fait en 1882 et un autre membre de la bande a été tué, un certain Charlie Bigelow. Il a été tué à cause de sa ressemblance avec Jesse James. Il avait la même barbe, on voit ça sur les photos. Et si l'on regarde le cadavre de Jesse James au moment de sa mort, eh bien, ce n'est pas vraiment la même apparence. Mais la confusion est possible, en fait. Tout à fait. Et il paraît que c'était une substitution qui a été faite entre Jesse, ça a été fait avec le gouverneur du Missouri, et c'est Bob Ford qui a eu la récompense pour avoir tué cette personne. Charlie Bigelow a été enterré et Jesse James était libre. Alors comment Jesse s'est-il procuré une nouvelle identité? Comment il a fait? Et tout d'abord, pendant plusieurs années, il a vécu en Amérique du Sud. Il y a passé une quinzaine d'années, on va dire. Il a épousé une femme là-bas, il a constitué une autre famille, il a appris à parler l'espagnol, puis il est revenu ici. Et là, il est devenu journaliste. Et il écrivait sur l'Ouest. C'était à la fin du 19e, début du 20e. Il écrivait des histoires sur Jesse James, Billy the Kid, tous les hors-la-loi de l'époque. Thank you.
Le nom Missouri, ça vient d'une tribu indienne, les Missouli, ce qui veut dire les hommes du canoë. Ces Amérindiens se déplaçaient en canot sur la rivière du même nom, qui est le plus grand affluent du Mississippi, qu'il rejoint légèrement en amont de Saint-Louis. Et ces deux fleuves, d'ailleurs, sont si énormes que leurs eaux mettent une centaine de kilomètres avant de se mélanger complètement, les eaux de l'impétueux Missouri se trouvant plus chargées de boue et de branches que celles du Mississippi. L'état du Missouri, en tout cas, fidèle à son nom, c'est le paradis du kayak et du canoë, un sport que pratique volontiers Maryse Carlin, qui est musicienne, claveciniste exactement, à Saint-Louis, mais qui ne dédaigne pas, dans ses moments de liberté, de manier la pagaie et de planter sa tente au bord de l'eau. Outre le Mississippi et le Missouri, nous avons dans le Missouri de nombreuses rivières qui sont plus petites, mais très belles dans des endroits assez sauvages. Et le sport national, disons le sport de l'État, c'est de faire des descentes de rivières en canoë ou en kayak, suivant la saison. Et on campe sur des bancs de sable. On passe la nuit, on fait des feux de camp, c'est très agréable. On y va en général en groupe. On fait ça sur 2-3 jours. Et c'est vraiment très beau. On peut descendre le Missouri, il n'est pas trop tumultueux? Non, pas. Le Missouri, c'est trop grand. On descend des rivières plus petites. Plus lesquelles, petites par exemple, qu'on est Voyons, la Meramec, qui s'écrit Meramec, mais qu'on prononce ici Meramec. Eleven Point River, le Jack's Fork. Une rivière qui s'appelle Courtois, et qu'on dit ici Courtway, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est certaines. Et ça va jusqu'à certaines vont jusqu'à l'Arkansas, d'ailleurs l'état qui est juste au sud du Missouri. D'ailleurs, la toponymie reste très française pour des rivières, des noms de villages. Oui, il y a beaucoup de noms. Alors, parfois, ils ne sont pas très reconnaissables quand c'est prononcé non, par les Américains. On peut peut-être donner quelques exemples. Disons Sainte-Geneviève, qui s'appelle Sainte-Geneviève. C'est assez reconnaissable, mais il y a une banlieue de Saint-Louis qui s'écrit Crève-Cœur et qui se dit Crève-Cœur. Et une rue qui s'appelle Chouteau. Ce sont des noms français qui se prononcent Choro. Choro. Alors c'est un pays quand même assez rude. Et du point de vue atmosphérique, il y a quelques surprises. Alors, par exemple, de temps en temps ici, déjà, avant qu'on arrive en Oklahoma, on perçoit la présence épisodique des ouragans, des tornades. Les tornades, oui. Il y a une saison des tornades, c'est surtout au printemps, au mois de mars, avril, quand les masses d'air chaud du Texas arrive et heurte les masses d'air froid qui viennent du Canada. Alors, ça crée des turbulences. Et nous avons, en fait, ce printemps, nous avons eu plusieurs alertes aux tornades, ce qu'on n'a pas chaque année. Mais nous avons un système de sirènes qui avertissent les habitants. Et quand la sirène sonne, en principe, on doit aller se cacher dans les caves. Ah, même pas dans les maisons, fenêtres fermées, il faut descendre au sous-sol. Oui, en fait, il ne faut pas fermer les fenêtres parce que votre maison risque d'imploser à cause des différences de pression. Si vous êtes au milieu d'une tornade, il faut laisser toujours un petit filet d'air. Oui, c'est ça. Une ou deux fenêtres ouvertes. Mais bon, il y a longtemps qu'on n'a pas eu vraiment une tornade dévastatrice ici. Et elle passe souvent au nord et à l'ouest de Saint-Louis. L'état du Missouri, hors des tornades, c'est le paradis des amoureux de la nature. Quand on emprunte la route 66, on traverse la très belle région des monts Ozarks, qui est sillonnée de rivières et semée de lacs bleus vifs. C'est le paradis du pêcheur, du randonneur et même du spéléo, vu le nombre incroyable de grottes, puisqu'elles sont plus de 5000. Et chacun sait que les Américains, quand ils aiment la nature sauvage, sont les mieux équipés au monde. D'où l'existence, à Springfield, dans le Missouri, d'un magasin qui est la plus grande surface commerciale de la planète, exclusivement consacrée au sport de plein air. Ça s'appelle Bass Pro Shop. On peut tout y acheter, du hors-bord dernier cri jusqu'au plus particulier des 350 types de mousquetons pour l'escalade. C'est en furetant dans ce bric-à-brac impeccablement rangé, au milieu des cascades artificielles et des parois de varap en caoutchouc, qu'on a engagé la conversation avec un couple de Missouriens venus faire ses emplettes.
Je m'appelle Georgia Johnson, je vis à Arnold dans le Missouri. Je m'appelle David Johnson. Moi, je suis chasseur. Moi, je n'aime pas tirer sur les biches. Moi, je chasse la biche, le cerf et la dinde. La population a tellement augmenté par ici que ça pose pas mal de problèmes. On a une très grosse population de cervidés et ça endommage les champs de soja. En ce moment, c'est la saison des amours des dindes. Alors on les voit, ils sont là, ils font la roue et tout, ils cherchent les femelles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a beaucoup de gibier dans l'État de Missouri. Eh bien, l'Office de la chasse du Missouri a réintroduit des ours. On a une très grosse population d'oies. D'ailleurs, on a trop d'oies. Il faudra en éliminer quelques-unes. Et vous avez des animaux aussi. Il y a des animaux méchants que je n'aime pas. Oui, les coyotes, les chats sauvages ne sont pas méchants, mais c'est des prédateurs. Ils mangent des petits animaux. Les coyotes, par contre, ils peuvent s'attaquer à une biche ou un cerf. Hein. Avant, on chassait le coyote dans l'État du Missouri. On a changé la réglementation sur les coyotes. Et une population est trop importante. Avant, on chassait le raton laveur, le lapin, le renard, et on vendait la fourrure. Il y avait des problèmes de population là aussi. On a un gros problème en ce moment, hein. C'est majeur. Il y a tellement de constructions à l'extérieur de la ville que la faune entre en ville. Et on a un problème avec les coyotes actuellement. Il y avait un article dans le journal il y a 2 mois qui disait que les coyotes, en fait, s'emparaient des chiens, des animaux domestiques, les tuaient. Ils ne trouvent plus de nourriture. Ils ont perdu leur habitat. Et ils viennent en ville. Alors, ils s'attaquent aux animaux domestiques, les chats, les chiens, les animaux de la ferme. Un coyote peut s'attaquer à une vache. Donc, on a recommandé aux gens de ne pas laisser dehors de nourriture pour les animaux ou de l'eau si on voit des coyotes. Ça a été un gros, gros problème depuis les 2 derniers mois. Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux enfants, mais moi, je crois que si, quand même, hein, ils peuvent. What about fishing? Do you go fishing? Oh, fishing's great, Missouri. La pêche est sensationnelle dans le Missouri. Vous voyez nos trophées là. We've got really good bass fishing. On a attrapé des très belles perches. Ici, on a le record de truites, une truite qui a été attrapée ici à Branson. Catfish, you get real good cat. We have spoonbill. Très beau poisson-chat aussi. On a des esturgeons. On a à peu près tous les poissons, sauf les poissons de mer, bien sûr, dans l'État de Missouri. Oh yes. Big ones. Et on a des esturgeons aussi. Ils sont pas très gros. Je crois qu'il y a 3 espèces différentes d'esturgeons. Les gros esturgeons, on les trouve dans le sud des États-Unis, vers le Mississippi, par là. Il y a des esturgeons dans le Colorado aussi. Par ici, ils sont pas si gros. Hold it, guys, hold it, guys. I have too many people asking me questions. Now what now? Okay, that's real simple. How can I tell them between a boy turkey and a girl turkey? You see these things right here hanging down? They call that a beard. Most turkeys, most girl turkeys don't have that beard. Okay. Un peu à l'écart de son grand magasin Bass Pro Shop, en marge des rayons d'équipement pour le plein air, qui invite d'ailleurs plus à faire exploser la carte de crédit qu'à goûter réellement les mystères de la nature, il y a un petit musée. Et là, miracle, parmi les animaux empaillés, un peu tristoun, on croise un personnage inattendu qui raconte la nature aux enfants pendant que leurs parents font du shopping. Well, my name is John Hernandez. My real name is also Galahewatan. Je m'appelle John Hernandez. Galahewatan aussi. Ça signifie deux ours. Je suis Apache de la nation Apache. Et je vis dans la nature. J'ai grandi dans la nature. Et c'est comme ça que je connais les animaux. Je suis allé à la chasse et à la pêche avec mon grand-père. Mon grand-père est né en 1885. C'est lui qui m'a élevé. J'ai vécu avec lui à la réserve. On allait à la
la chasse, à la pêche, on a fait du ski, de l'escalade, on a fait plein de choses ensemble. On allait à la chasse avec des arcs, ou alors avec des fusils à poudre, ou alors des fusils plus puissants. Mais en fait, on a fait beaucoup d'observations. On a regardé le comportement des animaux, on a regardé pousser les arbres, on a regardé les fourmis, on a regardé voler les oiseaux. J'ai beaucoup appris assis à regarder les choses. Alors pour vous, ce n'était pas une distraction? Vous cherchiez de la nourriture, en fait? Non, c'était la vie. Il n'y avait pas d'épicerie au coin de la rue. Je vivais au milieu du désert, il n'y avait rien. Il fallait sortir à pied ou en voiture, mais surtout à dos de cheval ou à dos de mule. Et on chassait pour se nourrir. À chaque fois que l'on tuait un animal, on le remerciait d'avoir sacrifié sa vie pour nous. Et on respecte les animaux. Et on respecte les animaux dans nos champs, par exemple. On chassait le lapin, le serpent à sonnette, la biche, l'élan, l'antilope, le chat sauvage, le cougar. Tout ce qui bougeait, on le chassait et on le mangeait. Je crois qu'il faut respecter les animaux. Il ne faut pas craindre les animaux. Tous les animaux sont là pour un but bien précis. Mon père fait partie du clan des serpents. On attrapait les serpents, on les coinçait avec un bâton dans le dos, on les ramassait, on pouvait les vendre pour le venin, ou alors on les mangeait. En fait, c'est simple, il faut le dépecer, on enlève la viande sur l'os, et puis après, on peut le frire ou le faire bouillir. C'est très bon au goût, en réalité. C'est pas un goût de poisson, mais ça a la texture du poisson. La réserve de ma mère, c'est la réserve White Mountain. Et là, on chassait l'élan ou le bouquetin. Ce qu'il y avait, peu importe. Et on mangeait simplement, on ne prenait pas de trophées. Il y a beaucoup de gens qui chassent et qui tuent les animaux pour avoir des trophées. Non, nous, on ne faisait que manger les animaux. Certains animaux sont tabous pour vous? Ben, moi, je fais partie du clan des ours, donc on ne chasse pas l'ours. On attaque l'ours qu'en autodéfense. Mais nous pensons que l'ours fait partie de la famille, c'est un petit peu comme des cousins. Donc on ne les chasse pas et puis on ne les mange pas. On dit que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé tous les animaux. Il a appris aux animaux comment parler toutes les langues. Il a mis les animaux sur terre pour la préparer à l'arrivée de l'homme. Et lorsque l'homme est arrivé, il s'est rapproché des animaux, les animaux l'ont aidé. Les animaux ont expliqué à l'homme comment vivre, comment bâtir un habitat, comment chasser, où aller. Puis l'homme, étant donné que c'est l'homme quand même, se croyait bien malin, donc il a tourné le dos aux animaux. Et aujourd'hui, les animaux ne parlent plus à l'homme. Il y a très peu de gens qui savent parler aux animaux. Ma mère sait leur parler, ma sœur aussi. Moi, j'essaye de leur parler leur langue, ou alors j'apprends leur langue autant que possible, puis les animaux me répondent. On est à l'aise auprès des animaux. C'est comme ça que j'ai été élevé. On m'a appris à respecter, à aimer tout ce qui est autour de moi, nous ne pensons pas être supérieurs aux animaux ou inférieurs aux animaux. Nous cohabitons avec les animaux. Et ça, c'est important. Ça permet d'avoir un équilibre sur Terre. Quand on tue un animal, on tue une partie de soi-même. On évite. On essaye de préserver les animaux là où ils peuvent prospérer pour que nous puissions grandir et prospérer avec eux. On fait tous partie de la même famille, où qu'on soit d'ailleurs. L'Amérique, c'est ça aussi, c'est un petit cousin de Geronimo recyclé en homme à tout faire d'une grande surface de sport et apparemment il est très content de son sort. Alors à Springfield, dans le Missouri toujours, on se trouve au cœur des monts Ozark, un écrin de nature sauvage mais aussi un formidable réservoir de musique traditionnelle parfaitement conservée. Et quand on arrive à Rolla sur la route 66, il suffit de faire une quarantaine de miles dans la direction du sud pour trouver une population paysanne qui manie avec dextérité une sorte de fiddle.
Varola sur la route 66. Il suffit de faire une quarantaine de miles dans la direction du sud pour trouver une population paysanne qui manie avec dextérité une sorte de fiddle, cousin de notre crin-crin des bals villageois. Une musique populaire qui passionne Gordon McCann, qu'on va rencontrer maintenant. Gordon auquel on doit chez Rounder Records une série d'enregistrements précieux issus de ses investigations magnéto à la main dans les Ozark Mountains depuis une bonne quarantaine d'années, en marge d'une carrière bien remplie dans la construction des maisons individuelles. Next to the human voice, the fiddle or violin, violon, is the instrument of the people. Après la voix humaine, le violon, c'est véritablement l'instrument du peuple. Dans la civilisation occidentale, il n'y a aucune nation en Europe, dans les îles britanniques, en Amérique du Sud, où il n'y a pas, dans un bal populaire, dans un petit village, un violon. Il y a toujours un violon. Et la forme actuelle du violon, et là je ne vous parle pas des violonistes scandinaves, mais je vous parle des violons qu'on trouve en France, en Angleterre ou ailleurs, et bien ce violon-là trouve sa forme au milieu du XVIe siècle en Italie. Il y a eu tout un tas de prototypes, mais c'est cette forme-là que l'on trouve dès le milieu du XVIe siècle en Italie, puis ça s'est répandu en Europe, dans les îles britanniques, et puis au XVIIe siècle, ça a touché les colonies, donc les États-Unis, parce qu'on trouve des références dans ce qu'on appelle les broadsides, ces affiches et ces carnets de chants. Et on trouve des références au violon. La religion puritaine était très guindée, très stricte, et elle s'opposait au violon parce que le violon était considéré comme l'instrument du diable. Et il y avait même des violonistes indiens et noirs, en plus des anglos. Et le violon s'est répandu pour atteindre les Ozarks, là, chez nous, mais ça a d'abord été en Pennsylvanie du Sud, en Caroline du Nord, en Virginie, dans le Kentucky, dans le Tennessee, et puis enfin dans les Ozarks. Et jusque dans les années 1950, nous, nos origines, on les trouve dans le Tennessee. Au début du 18e, le comte de Renard travaillait pour une société minière royale dans le nord de la France et en Belgique. And they had heard. See, they had just gotten this back from the Spanish. Les Français avaient repris ce territoire aux Espagnols. And they had heard all these rumors about gold and ils silver, avaient entendu parler d'or et d'argent et de, plomb, mais enfin le plomb ça ne les intéressait pas tellement à l'époque. Donc le comte de Renard et ses amis ont demandé au roi de France la permission d'aller dans le Missouri. Bref, donc le roi a donné sa permission et je ne sais pas combien de centaines d'hommes qui sont venus, mais ils sont arrivés à la Nouvelle-Orléans, ils ont acheté des esclaves, ils ont remonté le Mississippi pour atteindre une région qui s'appelle maintenant Saint-Louis, ils ont emprunté la vieille piste des Virginiens qui emprunte une partie de la route 66 d'ailleurs. Puis ils sont allés vers le sud pour aller dans cette région du Missouri. Il y a Potosi, il y a Deloge, Cadette, il y a un certain nombre d'autres noms comme ça. Ils ont commencé à exploiter le plomb. Mais ça s'est avéré trop cher de renvoyer le plomb en France. Donc la moitié des hommes est repartie en France et l'autre moitié est restée. That little pocket stayed there. Donc cette communauté est restée sur place pendant des années et des années. Moi, j'ai rencontré ces gens-là il y a 30 ans dans le cadre de festival à Saint-Louis, et du reste, on est restés amis. Et ils jouent des vieux airs français au violon, ils chantent des chants français, et ils parlent une langue. On m'a dit que c'était un vieux dialecte français du 18e siècle. D'ailleurs, ça correspond bien à l'époque à laquelle ils sont arrivés, 1720. Ils sont arrivés en 1723 exactement. Ils sont installés là, et ils sont toujours là. Et il y a beaucoup de noms français.
dans cette région, dans les Ozarks. Et ces noms viennent des trappeurs français de l'époque. Et c'était avant la vente de la Louisiane en 1803. Bon, cela m'était la maîtresse, y était le bonheur du loger. Pour la dernière jour de l'année, c'était la guionnée, vous nous devez. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous les. Si vous voulez rien nous donner, dites-nous les. On vous demande seulement, c'est n'échiné. Un échiné n'est pas grand-chose, aux 2,90 pieds de long. Un échiné n'est pas grand-chose, aux 2,90 pieds de long. The Ozarks were very isolated communities, very isolated. Dans les Ozarks, il y a pas mal de communautés très isolées. Et dans ces communautés, lorsqu'il y avait un violoniste, ils connaissaient peut-être un ou deux airs, mais ça suffisait parce que les gens pouvaient danser. Et les gens qui faisaient du square dance, eh bien, ils peuvent danser au rythme de la machine à vapeur. C'est ça qu'ils recherchent, le rythme. Bon, disons que le violoniste de la communauté connaisse un ou deux airs. Il va se balader. Il entend trois ou quatre autres airs. Au total, bon, il revient chez lui et puis ça lui fait un répertoire un peu plus varié. Mais le problème, c'est que son premier air, il le mélangeait avec le deuxième, le troisième avec le premier. Bon, bref, il y avait des milliers de variations, vous voyez. Et puis, bien sûr, lorsque les disques, les Petrola, les 78 tours sont sortis, à ce moment-là, les violonistes pouvaient écouter et réécouter les airs. Et puis, alors, quand le magnétophone est sorti, là, ça a tout changé. Donc, le répertoire est devenu beaucoup plus étendu, évidemment. Est-ce qu'il y a de nouveaux prolongements à partir de ce modèle traditionnel? Oui, de nouveaux airs et puis de nouveaux styles de jeu aussi. Souvenez-vous que cette musique traditionnelle au violon était conçue pour faire danser les gens. Tous les vieux airs de ces violonistes devaient accompagner les danseurs, qu'il s'agisse de gigs en 6-8, les scottish, les reels, les hoedowns, vous voyez. Donc on combine un peu ces musiques pour faire du square dance. Mais ici, dans les Ozarks, les rythmes sont plus rapides qu'en Nouvelle-Angleterre. Puis, le square dance, dans les années 30, est devenu ce qu'on appelle le round dance, en salle de bal. Et c'est là que ça est devenu très populaire. Et le square dancing a connu un certain déclin, puis il y a eu une résurgence dans les années 50. Et à ce moment-là, c'était le retour du violon. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes violonistes qui apprennent ces airs traditionnels, mais malheureusement, il n'y a plus beaucoup de square dance. Donc les vieux airs, les scottish, les square dance, les valses, tout ça c'est bien joli, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Et on ne peut pas jouer le violon et rejouer le même air dans son coin. Donc ils se lancent dans différents genres. Aujourd'hui, ils jouent dans des concours, ils montent sur scène, et puis ils travaillent avec l'audimètre, et puis ils gagnent de l'argent, c'est un style différent. Les Ozarks, c'est le meilleur et parfois le pire de la musique traditionnelle et de la country. Le pire étant sans doute Branson, une sorte de Soonashville campagnard, matinée de Broadway série Z, dite la capitale américaine des variétés. Tellement américaine, sans doute, que les guides de voyage français la mentionnent à peine. Dans le Missouri, il reste des musiciens discrets qui n'ont pas cédé aux sirènes avec des dollars plein la voix de Branson. Voici l'un d'entre eux, Gary Gallière, joueur de dulcimer. The instrument has its roots
in the Appalachian Mountains, which is along the east coast of the United States. L'instrument est originaire des Appalaches, de la côte est des États-Unis. C'est un petit peu comme ces instruments comme le violon ou le banjo qu'on utilisait dans ces environnements un petit peu rudes. C'était évidemment impossible de déplacer un piano dans la forêt ou dans les montagnes. Donc le dulcimer est un instrument très simple. On pouvait le faire à partir de bois de cajot à pêche. Il suffisait de clouer des cordes. Et puis voilà, et puis on pouvait faire de la musique chez soi, devant sur le porche. C'est comme ça que c'est né. Ça servait à jouer en famille après le dîner, voilà. Le dulcimer a connu un regain de popularité dans les années 60 aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a des clubs de dulcimer dans tous les États. Il y a plein de festivals partout aux États-Unis qui sont consacrés au dulcimer. Et le style de jeu traditionnel a évolué. Aujourd'hui, on joue de manière plus élaborée, on fait une musique plus intéressante que les vieilles mélodies de violon des Appalaches. Comme vous pouvez le voir, l'instrument n'a pas toutes les frettes. C'est un petit peu comme s'il n'y avait que les touches blanches sur un piano. C'est très facile. Pour faire une fausse note, il faut le vouloir. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, l'équivalent des touches noires du piano. On le pose sur les cuisses. On joue à plat. Il y a trois cordes. La première et la troisième servent de bourdon. Ça, c'est le style traditionnel. Et l'autre, la troisième corde, sert de mélodie. Ça explique le regain de popularité. Il y a plein de gens qui ont toujours voulu faire de la musique, et avec le dulcimer, on peut jouer de la musique immédiatement. Et ça n'a fait que croître et embellir. Moi, je donne des leçons dans le cadre des festivals aux États-Unis, et mes élèves sont des gens qui ont un petit peu vécu, des gens de 45, 50 ans, qui veulent faire de la musique. Après avoir travaillé, après un emploi un peu stressant, ils veulent revenir à quelque chose de plus simple. Au cours des 20 dernières années, on assistait à un style de jeu plus progressif, c'est-à-dire on met plus l'accent sur les accords, les harmoniques, et ainsi de suite. Je vais vous faire une démonstration d'une mélodie qui n'est pas très traditionnelle. Simpler. Mount.
playing on Cool 106.1. Voilà, l'heure est venue de quitter Springfield, où Gary Gallière était venu nous rejoindre avec son dulcimer sous le bras. On part toujours à travers l'état du Missouri en direction de Halltown, puis on va vers Carthage, qui a eu son heure de gloire au 19e siècle à cause de ses mines de zinc. Il faut signaler d'ailleurs que dans le même état du Missouri, il y a une ville d'Hannibal. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Les Américains aiment beaucoup les noms antiques. Il y a un certain nombre de Athènes un petit peu partout aux États-Unis, et il y a bien sûr un Memphis que tout le monde connaît. Alors la route 66 au sud-ouest de Springfield devient très bucolique. On chaloupe entre des petits villages de campagne avec des maisons de bois peintes en blanc, avec souvent un petit porche en avancée, et ça sent déjà vraiment le sud. C'est déjà, en tout cas, la Bible Belt, cette partie de l'Amérique où il y a des églises un peu partout, des luxueuses et des modestes, des baptistes, des pentecôtistes, des Assembly of God, et il y a même des églises où se font, nous dit-on, d'authentiques miracles. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur un panneau devant une petite église en tôle au bord de la 66. On peut lire « Chaque jeudi, le pasteur fait des miracles ». Voilà, affaire à suivre. Parfois, en tout cas, pris par le paysage, on perd un peu le fil de la route, parce que la 66, c'est un itinéraire de plaisir et de la mémoire. Elle est mal marquée sur les cartes et elle emprunte un peu en squatter toute une série de petites routes. Du coup, on se perd, ce qui est d'ailleurs l'un des meilleurs moyens de rencontrer le pays. Comme disait Nicolas Bouvier, voyager vraiment, c'est accepter de se perdre de temps à autre pour que l'inattendu arrive. Et l'inattendu, il est souvent très plaisant dans cette Amérique rurale où les gens se mettent vraiment en quatre pour vous donner un coup de main. Et je voudrais signaler que pendant les 4000 km de notre parcours, il n'y a pas eu d'exemple que quelqu'un refuse ou de nous aider ou même de répondre à nos questions. Bon, alors pour la dixième fois à peu près, on est sorti sans s'en rendre compte de la route 66, parce qu'il y a des panneaux et puis il n'y en a plus, et donc on prend une route dans le prolongement, mais c'est plus la route 66. Alors heureusement, les gens ici sont très gentils et on a rencontré ce monsieur qui est fermier, qui vient d'arrêter son tracteur, et ben, on va regarder la carte avec lui. So you've just cut your grass. Je vois que vous venez de faucher. We've cut one field. We're going to another. On a terminé un champ, on passe à l'autre. L'herbe est déjà assez haute pour faucher. À peine, c'était très sec. Do you have cattle? Yes. Vous avez du bétail aussi? You're here in Missouri. What vous travaillez ici dans le Missouri, dans quel village? On est à Aurora là. Ah, j'ai vu ça quelque part. We are right here. On est là. Aurora is here. Aurora, yeah. C'est là. And you want to be up here. Faut que vous alliez, yes, là, c'est ça. You can ride up here. Eh bien, ici, FF, vous allez prendre cette route-là, yes, sur un mile à peu près. Take it to 39. Puis vous allez, yes, trouver la 39. And then go through Mount Vernon. Vous traversez Mount Vernon. 39. Vous continuez sur la 39 pour atteindre la 96. On est bien là. That's right. Okay. C'est ça, oui. So we have to go back. Route 66, l'Amérique en diagonale, fin de la quatrième étape à travers l'état du Missouri. Au fil de la route en direction de la Californie, qui est encore bien loin,
Vous avez entendu Jane Robert, Saint-Louisienne, professeure de français, présidente de l'Alliance française, David Kammer, historien, Les Turilli, propriétaire des grottes de Meramec, Denis Duval, conservateur du musée des armes à feu à Clairmore, Marie Scarlin, claveciniste, Georgia et David Johnson, chasseurs et pêcheurs, John Hernandez, Apache travaillant au magasin Bass Pro, Gordon McCann, musicologue, Gary Gallière, joueur de dulcimer, Xavier Combes et Belinda Villarreal traduisaient, Jean-Philippe Thomas enregistrait ce reportage, au mixage Pierre Mine et Renan Mahé, à la réalisation Angélique Thibault, une série proposée par Marie-Hélène Fraisse.